Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un swimbait Comme vous pouvez le voir ici, les swimbaits sont des leurres de grande taille, généralement imposants et lourds, et qui sont composés de plusieurs parties qui sont reliées entre elles par des articulations. Généralement, on a au moins trois parties sur un swimbait, mais certains en ont cinq ou six, comme des modèles que j'ai dans mes boîtes. C'est ce qui leur imprime euh, une nage très réaliste qui va séduire les poissons les plus éduqués. On trouve des modèles qui sont flottants, mais également des modèles slow sinking et des modèles sinking, des modèles plongeants, ce qui permet de peigner toutes les couches d'eau selon les saisons et l'activité des poissons. On les utilise à la base au Japon pour pêcher le black bass et aux États-Unis. Donc ça marche très bien, les petits modèles fonctionnent très bien sur le black bass ou les grosses perches. Maintenant, les plus gros modèles sont plutôt destinés chez nous à la pêche des gros brochets. Ok, je vous parle un petit peu du matériel pour pêcher au swimbait. Bon, vous l'aurez compris, il y a clairement deux catégories de swimbait euh, ceux qui rentrent dans la catégorie euh, big bait, voilà donc les, les leurs imposants et lourds qui dépassent aisément les 100 grammes, et les modèles intermédiaires que l'on des, destine à la perche, euh, au black bass, mais également aux brochets de taille moyenne. Donc pour ces modèles intermédiaires, ils peuvent tout à fait être lancés et animés avec des ensembles spinning. Maintenant, moi je recommande toujours dans tous les cas des ensembles casting car on réalisera toujours des lancers plus précis et plus discrets avec ce type de matériel. Euh, concernant les cannes, on va utiliser des cannes de longueur de longueur 2,20 m minimum. Euh, C'est idéal pour le pêcheur en bateau et le pêcheur du bord qui prospecte dans les petits milieux. Et on peut monter jusqu'à 2,60 mètres pour pêcher les grands milieux et les grands milieux, encore plus quand on pêche les grands milieux du bord. Concernant l'action de la canne, on optera pour des cannes à l'action modérée, modérée rapide, possédant une pointe soupe, ce qui vous permettra de propulser voleurs à distance sans forcer et en limitant les risques de casse. La puissance de vos cannes doit être bien évidemment adaptée aux tailles et au poids de swimbait que vous utilisez. Donc pour des modèles intermédiaires qui pèsent généralement entre 40 et 60 grammes, une puissance de 20 à 60, 20 à 80, conviendra, euh, conviendra tout à fait. Tandis que pour utiliser les plus gros modèles de swimbait, là voyez celui-ci je crois fait 140, 150 grammes, euh, il ne faut pas hésiter à prendre une canne qui peut lancer jusqu'à 200 grammes, euh, voilà, et qui vous permettra d'animer ses leurs sans difficulté. On équipe sur ces cannes des moulinets, donc casting. Euh, on fait attention à la récupération. Idéalement, il faut choisir une récupération entre 70 et 80. C'est ce qui permet d'animer confortablement et de varier les vitesses de récupération sans peiner. Euh, ça vous permettra aussi de récupérer le mou dans la bannière après une pause, après l'écart d'un l'heure. Voilà, donc toujours rester en contact avec la bannière. Donc veillez à avoir cette récupération. Ensuite, on va équiper sur les moulinets de la tresse, donc de la tresse bien évidemment forte. Euh, sur les modèles intermédiaires, qu'à intermédiaire, une tresse de 25 centièmes conviendra. Tandis que sur un modèle plus imposant, donc qui dépasse les 150 grammes, on pêchera avec une tresse de 30 centièmes, 32 centièmes. Euh, voilà, ce sera l'idéal pour limiter les risques de casse et combattre des très gros poissons. Alors je vous parle des bas de ligne et du raccord pour rattacher votre swimbait à ce bas de ligne. Donc pour les modèles intermédiaires qu'on a cités précédemment destinés au black bass ou à la perche, on utilisera plus des bas de ligne en adéquation avec le prédateur, donc des bas de ligne en 40 45 centièmes et jusqu'à 50 si le brochet est présent sur la zone pour limiter des risques de coupe, tandis que pour les plus gros modèles, on n'hésite pas à mettre des gros diamètres de fluorocarbone en 90 centièmes, 1 mm s'il le faut. Pour le raccord Bien évidemment, l'utilisation d'agrafe est à proscrire, étant donné le poids des leurres et la puissance des poissons que l'on vise. Euh, L'agrafe aurait de grands risques de s'ouvrir et donc de se tordre. Donc, on utilise plutôt le nœud agrafe. C'est une très bonne solution, puisque c'est un nœud qui s'ouvre et se referme rapidement et offre une liberté de nage aux leurres pour que le swimbait puisse nager convenablement et aller chercher les plus gros brochets de la zone. Alors, il est tout à fait possible de jouer sur la densité du leurre et de faire d'un leurre flottant ou semi-plongeant un leurre plongeant en le lestant. Donc on procède en ajoutant des petits plombs euh, sur les anneaux qui, euh, où sont reliés les hameçons. <laughs> Deux règles importantes à respecter quand on leste un leurre. On va répartir équitablement la charge pour que le leurre puisse couler à l'horizontale et garder donc sa position séduisante quand il descend et on ne va pas dépasser 15 à 20% du poids total du leurre pour qu'il puisse conserver aussi sa qualité de nage. Je vous parle de l'animation des swimbaits, donc l'animation la plus répandue et la plus commune, et celle que vous connaissez tous, c'est l'animation en linéaire. Donc on lance son leurre sur la zone souhaitée, si ce leurre est coulant, on le laisse atteindre la profondeur de son choix avant d'entamer une récupération linéaire. Vous pouvez varier la profondeur de prospection en variant la hauteur de canne. Donc canne haute, prospection rapide pour peigner la couche d'eau superficielle, tandis qu'une récupération lente, canne basse, vous permettra de pêcher plus creux. Donc on joue avec ces deux critères selon l'activité des poissons et selon la profondeur à laquelle on souhaite pêcher. Deuxième animation, c'est une animation qui est intéressante quand les poissons sont peu actifs ou quand ils sont suiveurs ou embusqués dans des, des obstacles et que vous cherchez à les faire sortir. C'est une animation en stop and go. Donc tout simplement une animation linéaire entrecoupée de pauses. On lance son leurre, à nouveau s'il est coulant, on le laisse atteindre la profondeur de son choix. On mouline en linéaire, en faisant une petite accélération avant de faire une pause. Le leurre va faire un léger écart, on attend une à deux secondes et on reprend sa récupération. Petite accélération, hop, on le laisse faire son écart et on reprend. Voilà donc du linéaire, des pauses plus ou moins longues. Et là, à nouveau, selon l'activité des poissons, selon la profondeur à laquelle vous allez pêcher, vous variez la, la vitesse de récupération, la position de la canne, mais également le temps de pause qui peut être plus ou moins long. Voilà, vous connaissez désormais l'essentiel sur la pêche au swimbait. Si j'ai oublié des choses et qu'il y a des spécialistes qui nous regardent, qu'ils n'hésitent pas à nous le partager dans la barre de commentaires. En attendant, je vous laisse aller chercher le poisson de vos rêves et puis nous, on se retrouve pour un prochain tuto.